Ici Jean-Michel, commandant Liure. Je vais faire une première introduction sur le sujet des cristaux, avec surtout des photos, des images et de la musique. C'est pour se mettre dans le bain. Les cristaux reviennent à la mode. Il y a une période où tout le monde devait avoir un cristal, il y a 25-30 ans. Tout le monde avait acheté des cristaux partout, tout le monde avait les cristaux à la maison. Et puis tout d'un coup, c'est passé de mode. Bon, les cristaux sont toujours dans la maison, hein, des gens, parce que ça donne de l'énergie, etc. Mais on se précipitait plus sur les cristaux comme avant. Ceci revient, je viens donner la raison, elle est très très simple, la raison est vraiment hyper simple. C'est que, à l'intérieur de la Terre, Gaïa, ou sa race, si on utilise le mot galactique, il y a des cristaux géants. Souvent dans certaines montagnes ou dans des lieux spéciaux, tous les lieux sacrés sur la planète que vous connaissez tous, il y a souvent des cristaux géants très très profonds qui ne sont pas du tout accessibles à aucune opération de minière, ça on est sûr qu'ils n'y touchent pas, et ces cristaux géants sont là pour servir à l'alignement de la planète Terre sur des fréquences christiques de haute dimension, etc. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que du fait de la manipulation et du dominion qui a été pris par les archons, dont j'ai déjà parlé, revoyez tout le sujet des archons, hein, et des manipulations, la ligne de temps, etc. En raison de ces manipulations, utilisant très souvent d'ailleurs des prêtrises, comme l'ordre noir de Melchisédek, et d'autres, les prêtres de Bélial qui sont responsables de la chute de l'Atlantide avec une manipulation, une mauvaise utilisation de cristaux, très grands cristaux de l'Atlantide. À raison de tout cela, il a été décidé par la hiérarchie spirituelle de l'univers, là aussi, la hiérarchie planétaire est différente de la hiérarchie de la galactique universelle et de l'univers local. Bien sûr, il y a des maîtres dans cette hiérarchie locale, planétaire, mais il y a souvent une confusion qui est faite entre les deux. Même confusion pour la grande fraternité blanche, etc. Les mêmes confusions, toujours, toujours et encore. On confond les deux, on mélange tout dans le sac de pommes de terre du Nouvel Âge, New Age. Les cristaux géants, donc, à une époque, ont été désactivés par la hiérarchie spirituelle de l'univers. Très très haute fréquence des êtres qui sont les gardiens vraiment de l'univers dont Jésus, Yeshua est un des représentants dans notre univers local. Et ils ont décidé, puisqu'il y avait tellement de manipulations faites sur Terre par les archons et que les gens de la Terre qui vivaient sur la Terre, qui se réincarnaient tout le temps, s'étaient laissés manipuler par les archons, il a été décidé de déconnecter le pouvoir des cristaux géants. De la même façon, il a été décidé, il y a pas mal de temps déjà, de déconnecter aussi l'énergie des temples. C'est-à-dire tous les temples qui se trouvaient sur la Terre et qui servaient il y a très longtemps aux forces du Un et aux prêtres de lumière, si vous voulez, eh bien, ont été aussi désactivés. C'est comme si on fermait le robinet de l'eau, donc l'eau n'arrive plus dans le temple, pour éviter justement tous les prêtres noirs, les forces des ténèbres, manipulés par les archons, de faire des cérémonies, de faire des choses dans ces temples, et d'utiliser ces temples comme accès à d'autres dimensions. Alors pareil, on a fermé tout ça, et c'est resté fermé pendant longtemps. C'est pour ça que toutes les grands contes et légendes sur tous les temples dans le monde, etc., portent en elles, dans ces légendes, une confusion énorme avec toutes les actions des prêtres de Bélial, des forces des ombres, des archons. Donc c'est pas non plus très intéressant d'aller se fournir, de prendre des informations dans tout ce qui a été écrit sur tous ces temples, puisque l'énergie spirituelle a été coupée sur décision
du Radiant 1, si on peut dire, si on utilise la terminologie des frères de l'espace. Et ces cristaux géants ont été réactivés lors de l'arrivée des nouveaux codes galactiques et des plus hautes spirales d'ADN dans les activations, les moments, les périodes, les moments clés qui portent le chiffre 11-11-11 et 12-12-12. Ce n'est pas le 11-11 ouverture de la porte, c'est pas le 12-12 activation là. Faux conclave, Michael, là. Non, non. 11-11-11 veut dire le 11 novembre 2011. Et 12-12-12, ben le 12 décembre 2012. Donc, ces cristaux géants ont été à nouveau réactivés. Les temples ont été ouverts à nouveau, hein, pour que les êtres évolués sur la Terre puissent recevoir de nouveau les nouvelles activations de codes galactiques, de nouvelles spirales d'ADN, qui sont 12, être complètement infusé par les 12 rayons, les 12 rayons supérieurs, ce qui font 24, etc. Et pouvoir travailler avec les cristaux supérieurs. Voilà. Donc, depuis ces activations 2011-2012, l'attrait, l'attraction pour les cristaux est revenue. Maintenant, je dois faire un avertissement important, énorme, Big Mouse costaud, sur les cristaux. Donc, principalement, moi, je me branche sur les cristaux de Norvège, comme cette pointe d'améthyste qui vient de Norvège. On voit qu'elle a une couleur beaucoup plus claire que les cristaux d'améthyste venant du Brésil ou d'ailleurs. On pourrait dire que les cristaux de Norvège, comme cet améthyste, sont connectés à un rayon supérieur. Les rayons supérieurs, qui sont au-dessus du système de 7 chakras, 7 rayons, qui n'étaient pas faits pour l'évolution humaine, hein, c'était contrôlé ça. Les rayons supérieurs ont des couleurs beaucoup plus fines, hein, plus opalescente, plus, pour les peintres comprendront ce que j'essaye de dire. Donc les améthystes de Norvège vont être un violet beaucoup beaucoup plus doux, plus fin, d'une fréquence supérieure avec les rayons. Je parlerai des cristaux de Norvège après, donc je vais faire mon avertissement sur les cristaux. Alors là, bien entendu, étant un crieur de vérité, et il n'y en a pas beaucoup sur Internet, que ce soit en français ou en anglais, je suis désolé. Parce qu'il y a beaucoup de confusion et de manipulation également, là, puisque Internet est contrôlé par l'élite et les archons, et les ordinateurs quantum d'intelligence artificielle, difficile de s'y retrouver. Mais on reconnaît l'écrieur de vérité. L'écrieur de vérité, très souvent, donne la vérité toute nue, en fait, comme j'ai déjà dit. Les initiés de tout temps ont montré directement où étaient les ténèbres. Et c'est ça, le travail de lumière, c'est de dire aux gens qui s'éveillent spirituellement, qui veulent évoluer, attention, regardez ici, il y a ça, ce sont les ténèbres. Jésus, Yeshua, faisait ça tout le temps. Les autres initiés le faisaient tout le temps. Revoyez les grands classiques qui, cette fois, ne sont plus les pierres de fondation New Age fondé par les francs-maçons, hein, comme ceux que j'ai mentionnés, Blavatsky, Bellay et compagnie, mais des gens qui ont écrit des livres de base, tels que souvent au début du 20e siècle, comme La vie des maîtres de Bert Spalding, Philos, j'ai vécu sur deux planètes, ce genre de livres. Également, Le Trésor d'Eldorado, super, super livre. Dans ces livres, vous découvrez que les initiés sont très, très carrés
et qu'ils agissent. Dans la vie des maîtres, vous avez un passage, plusieurs passages. Il y a un passage où il y a une réunion entre les grands maîtres et Jésus, et même Gautama Bouddha, qui est là, dans un monastère dans les Himalayas. Et il y a un prêtre noir qui s'est infiltré dans le groupe, dans cette réunion. Eh bien, que font les initiés, les maîtres, dans la vie des maîtres, y compris Jésus et Bouddha? Ils éliminent carrément ce prêtre noir. Soit ils lui disent, tu t'en vas immédiatement, ou alors tu disparais de la réalité. Dans ce livre également, il y a le récit, toujours dans un monastère des Himalayas, où, parce que c'est écrit au début du XXe siècle, donc il y avait encore des bandits et des bandes armées partout, et donc le monastère va être attaqué par des bandits qui vont tuer tout le monde, qui vont voler tout ce qu'il y a dedans. Et comme ça tombe, malheureusement pour ces bandits, au moment où il y a une grosse réunion spirituelle de tous les maîtres tibétains et autres, avec Gautama Bouddha et Jésus, eh bien, au moment où cette bande armée vient dans une gorge pour attaquer le monastère, Jésus, Yeshua et Gautama Bouddha font tomber les rochers de la gorge et qui annihilent complètement les bandits. Les bandits sont tués sous les rochers déclenchés par Jésus et Bouddha. Dans le livre « J'ai vécu sur deux planètes » de Philos, vous voyez un initié de lumière de très haut niveau qui est obligé de se battre contre un initié des forces de Bélial. Et à un moment donné, celui-là a tellement fait de mal et de confusion que ce n'est plus possible. Et l'initié de lumière lui dit « Bon, maintenant, toi, tu vas disparaître. » Tu ne pourras plus faire ceci, parce que maintenant, tu vas avoir la deuxième mort, qui est la perte de l'individualité, le recyclage à la source. Et on voit là, dans ce livre, « J'ai vécu sur deux planètes », un initié de lumière qui décrète la deuxième mort sur un prêtre noir. Et ce prêtre noir est vaporisé, retour à la source. Alors vous voyez un peu que les histoires larmoyantes est pleine de sirop dans le Nouvel Âge, même les ésotériques de maîtres qui sont là, mais aimez-vous, voilà, et puis si on vous donne une gifle, bah, attendez l'autre, etc. Tout ça, c'est du bidon. Les vrais initiés, c'est pas ça du tout. Bon, ça, c'est le petit avertissement sur la question. On revient aux cristaux maintenant. Thank you.